Eh bien salut tout le monde les gars, c'est Airsoft, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo défi les gars, gagner un match avec les plus grands joueurs du jeu. Donc qui dit grand joueur, dit des joueurs très très lents, donc des géants, hein. Franchement j'ai choisi des géants, voici l'équipe. Ok ta mère. On peut voir que la cohésion est énorme les gars, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs avec zéro de collectif, c'est propre hein, c'est même n'importe quoi. Bref, devant ça va quand même pas mal, on va dire. Peter Crouch, tout ça. Bref, on va quand même regarder leur taille. Pantilimon, 2m03. Bower, 1m98. Sowoonmi, 1m99. Suoberg, 2m01. Caviste, 2m03. Et avec des mecs de plus de 30 cm que moi. 2m01, 1m98, 2m01, 2m03, 2m01. Autant vous dire que ça va être n'importe quoi dans le jeu de tête. Mais par contre, au jeu au sol, je risque bien de galérer. Donc sans plus attendre, on va tenter ce petit défi tranquillement. N'hésitez pas les gars dans les commentaires à me lâcher 2-3 défis. Si vous avez des idées, hein, je prends. Je lis tous les commentaires comme d'habitude. Toute idée est bonne à prendre les gars. Donc sans plus attendre, on va chercher un match simple en ligne. En espérant ne pas tomber sur une trop grosse équipe. Après ça corsera le défi, mais bon, faut quand même bien le réaliser, gagner. Franchement, si vous kiffez les défis les gars, balancez-moi un max de commentaires, je peux vous faire des vidéos tous les jours comme ça. Franchement, avec de bonnes idées, il y a moyen de faire du sale. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire de l'achat-vente les gars pour avoir le joueur qu'il me faut pour faire la série que je compte vous préparer en ce moment. Elle est prête, hein. Il suffit juste d'avoir le joueur. Parce que je vous aurais bien fait un petit Dertou Zlatan. Mais bon, maintenant Zlatan, c'est un peu has-been. Autant prendre un bon joueur qui fait du sale et choquant. Ah, il y a peut-être moyen, hein. Son équipe, elle est basique. Il fait quoi? Il va pas quitter quand même. Bah, pourquoi il quitte? Mec, je sais pas. Ah putain, je sais ce que c'est. Il veut juste le collectif avec ses joueurs. Ça, c'est relou, les gens comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne, là. FC Ricard 51. Mais lui, il a une vraie équipe, par contre, en face, à mon avis. Ça va être une foule argent ou un truc dans le genre, on va voir, mais je pense que c'est ça. Ah non, putain, il a une vraie équipe. Putain, ça va être chaud de fou. Bon, bon, hein. Vous avez plus qu'à me souhaiter bonne chance, les gars, puis on va tenter le défi comme il se doit. Je pense qu'avec le jeu de passe, on peut déjà lui faire mal. Surtout que notre point fort, c'est lui, Onioa. On tente le centre-tête ou pas? Oh, le centre-tête! Oh là là, le 1-0, les gars, ça commence bien! C'est propre. C'est chaud. Si on fait que des centre-têtes, il y a moyen que les mecs crash quitte en plus. Maintenant, faut tenir le score, c'est pas facile encore. Oh putain, on récupère déjà. Traoré. Traoré pour Crouch. Crouch. Traoré. Oh, dommage, putain. Le mec, il est en panique. Corner. Ouh, corner, les gars. Avec les géants dans l'équipe, ça va être n'importe quoi. Surtout que j'ai une petite technique sur les corners, c'est n'importe. Ouh, non, ça marche pas. Il y a moyen de réaliser le défi, les gars. Si on fait tourner comme ça, oh là là, c'est bien joué ça. Ouais, oh, mais comme il est grand le gars. Encore la tête. Non, la vieille reprise. Par contre, là, vu la vitesse de son Kingsley Coman, ça va être tendu. Oh, bien joué les grands. Oh là là, la défense elle est là. C'est n'importe. Allez, on s'impose encore. Oh là là, on cherche la faute, nickel. Reviens à la faute, mon ami. Ça va être tendu de fou. Voilà, c'est bien. Quand même, les grands gabarits, c'est quand même abusé dans le jeu. Oh, Traoré. Traoré. Oh, Traoré encore. Non, t'es aussi nul qu'à Monaco, c'est nimp. On va le faire paniquer. Oh, la faute, pénalty. Oh, le pénalty, on l'a. On a le pénalty, les gars, faut pas se louper, putain. On va faire tirer King Crouch. Putain, j'ai du Vita dans les oreilles, n'importe quoi. C'est quoi cette playlist là? Bref, j'espère que ça va pas me perturber. C'est King Crouch? Ouais, c'est lui. Oh là là, le 2-0, King Crouch! Putain, Peter Crouch. Fait rêver ce gars. Il m'a toujours fait rire, je sais pas pourquoi. Comme ils sont tellement grands, tu peux conserver le ballon n'importe comment. Oh la frappe! C'est nul à chier. On le fait paniquer, le mec. On le fait paniquer, on récupère direct le ballon. Oh. Oh là là, mais ça joue trop bien. Oh, c'était du football champagne, les amis. Oh. Allez, faut qu'on continue comme ça. Regardez la technique. Joystick à fond là-haut. Et là, tu mets puissance max et tu rabats. Oh là là, putain, ça va passer, tu vas voir. Allez, on continue, hein. On met le pressing. Oh, la tête. Oh là 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 là, la Sida Traoré, il est trop chaud. Je crois que c'est même pas lui, c'est le Nigérian, c'est qui? Trop chaud. Merci. 3-0, on est là. On répond présent. Oh, oh. Je pense qu'il va rage quitte le mec, c'est pas possible. Onuachu. C'est lui qui a marqué.
Le mec a lâché la manette. Je pense que le mec à 3-0, il a lâché la manette. Bah ouais, il a lâché la manette. Bon, on va en profiter. Nous, on se fait plaisir. Pendant qu'on a nos joueurs. Au Nuachu. Hop, fin de frappe. Ce qui est abusé, c'est que le mec, il défend limite mieux. Ouais, le gars, il fait 3 mètres de haut. Oh, il est pas dedans. Peter Crouch, qu'est-ce que tu nous fais, mon ami? C'est nap. Oh là 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 là, il est nul. C'est interdit, ça. Mais normalement, il n'y a pas une règle quand il lâche la manette. Il n'y a pas un truc comme ça, les gars? Ah non, il rejoue. Ok. Allez, on relance. On part en contre-attaque. King Crouch pour organiser le jeu. C'est n'importe quoi. Ça me fait tellement rire, c'est trop con. C'est n'importe quoi. Merde, faut pas la perdre ici, mon ami. Pas de faute, bien sûr. Ça répond présent. Oh, ouais, mais Peter Crouch, t'es trop nul en fait. Je suis désolé, mon. Oh là là. Et en plus, il se fait effacer facilement. Oh là là, Pantilimon, il répond présent. Faire gaffe. Oh là là, Pantilimon, il est là. Ça fait plaisir. Voilà. Mi-temps, les gars, 3-0. Oh, on a fait quand même 11 tirs et 8 cadrés. Hein. C'est chaud. On va le faire craquer. Hein. Corner. Allez, je vous refais la technique. Oh là là, mais encore! Ça va passer un jour. Putain, il est fou, lui. Il veut jouer en l'air avec mes gars. Oh, ils sont là. Oh là là, il va jouer Traoré. Le jeu de tête, le jeu de tête. C'est n'importe quoi. Oh putain, juste tout droit, ça va passer. Oh là là, juste à tout droit. Vu tellement ils sont lents, mes gars. C'est trop, 3-1. Putain. Faut pas qu'on craque. Fabinho, ok. Oh oui, il est parti. Au Nuachu. Fin de frappe. Oh, il est lent. Tire. Oh non. Je suis mort, putain. J'avais fait la diff. Allez. Oui, mon gros. Le 4-1. Il répond présent. Ish. Ish, ish. Bon bah, Rashkit, les gars. Bim. 4-1, le mec, il a craqué. Bon bah, victoire 4-1, les gars. Défi validé. Donc maintenant, j'attends vos propositions en commentaire. Faites-moi des équipes bizarres. Tout ce que vous voulez. Zéro de collectif ou n'importe quoi. Je prends. Le FC Ricard 51. Je pense que le mec était bourré en face quand même. Parce que vu son niveau, sans clasher. Hein. Putain, j'arrête pas de faire du sale aussi en achat-vente. Encore des ventes. On aurait pu faire rentrer Mathieu Valbuena aussi en plein milieu. Bref, les gars, j'espère que ça vous aura plu. C'était l'Artsoft. Bis sur la fesse. Et à bientôt. Ok ta mère.